Je suis tombée dans la concertation sans le faire exprès, il y a 5 ans maintenant, où j'étais dans mon petit régiment de sécurité civile et où on m'a proposé de faire avancer la condition du personnel. Puis on m'a proposé d'aller parler au ministre des problématiques de toutes les armées, de tous les grades. Et là, j'ai découvert un monde fantastique. Alors notre rôle au sein du Conseil, tout d'abord, c'est de voter. Et aussi de faire remonter au ministre et à toutes les autorités présentes dans la salle les problématiques de la base, du corps de troupes. Mais c'est aussi de travailler sur l'évolution des textes qui concernent directement la communauté militaire. J'ai trouvé quelque chose de magique dans la mesure où comment des personnes complètement différentes les unes des autres, qui viennent d'horizons complètement différents les uns des autres, arrivent à trouver des solutions communes, alors qu'on n'a aucune expertise à la base. Quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est comment le Conseil est venu en appui du ministre pour le NSC. Donc le NSC, c'est la revalorisation de la catégorie des militaires du rang. Il a fallu que toute la communauté se batte pour obtenir un droit, avec malgré tout 2 ans de retard. Mais le Conseil est venu en appui du ministre et ça a marché. Donc comme quoi, ça a marché. Une aventure humaine extraordinaire.